l'angoisse elle est redescendue un petit peu. On va dire les pompiers nous ont rassurés. Parce qu'en fait, ben, Kenan, il s'est ouvert la tête. Voilà. Donc, une belle petite ouverture. Alors, eux nous ont dit que c'était rien du tout, qu'il avait besoin de faire juste un point et on l'amène à l'hôpital là pour faire ça. Mais en voyant ce sang dans sa tête, en voyant tout ça, je ne raconte pas. Je t'ai donné de faire un AVC. Mais le mystère, c'est surtout qu'il n'a pas versé une seule larme, qu'il n'a pas pleuré une seule fois, qu'il ne s'est pas plaint une seule fois, que depuis ce matin, c'est sourire, il court partout, il rigole. Donc il n'y avait rien qui pouvait nous alerter de ça, si ce n'est en voyant en fait, l'arrière de son crâne, et vu qu'il a les cheveux bouclés dessus, ben, ça ne se voit pas directement. Mais il n'avait strictement rien, il ne fait que rigoler, même là, il n'a rien, alors qu'il est quand même bien ouvert. Donc on se demande comment il a fait, si c'est l'angle d'une table, si c'est avec un de ses jouets. C'était un choc, franchement. C'était les médecins, enfin les pompiers nous ont bien rassurés. Donc ça redescend pour moi, voilà, ce stress-là. Et là, on va à l'hôpital. Donc j'avais peur aussi que ce soit quelque chose qui soit rentré à l'intérieur, parce que la plaie, elle est profonde. Je trouve un problème, elle est large. Moi, si j'ai ça, je sais que j'aurais eu très très mal. Mais voilà, aucune larme. Il n'a pas pleuré une seule fois. Il a pleuré quand ils sont venus pour lui désinfecter un petit peu là à la maison. Tout à l'heure, tout va bien quoi. Même là, il chante. Donc, il parle avec son père. Il parle avec son père. Tout à fait. Ben c'est bien ça, ils vont lui recoller la plaie en lui faisant des points, mais avec de la glu, pas avec des agrafes. Donc, bon, et le médecin, même eux, ils ont dit, mais il pleure pas ce petit, il a ça, il pleure pas. L'infirmière, ils ont dit, mais il va bien, on l'a posé, il paraît courir comme une gazelle. Je disais à Noré, vraiment, c'est ton fils, parce que Noré, il a parfois des... Pareil, lui, en 13 ans, j'en ai vu, mais je vous raconte même pas. Il s'est ouvert, il s'est cassé de partout, enfin, chaque fois, beaucoup de choses. Et il est toujours comme si, alors que moi, je me rentre, je sais pas moi, une petite épine dans le doigt. C'est la fin du monde, je suis capable de m'évanouir. Que Noré, pas du tout. Et Kenan, eh ben, je trouve que ce qu'il a, si ça avait été à moi par exemple, j'aurais bien souffert, j'aurais même pleuré, j'aurais eu très mal quoi. Il n'a pas versé une seule larme. Je vous ai dit, la seule larme, c'est quand ils l'ont désinfecté avec le produit. Parce que nous, on a préféré rien toucher, on les a directement appelés. Mais c'est un petit, petit vaillant quoi, comme son père. Voilà. Ben Kenan, ça va beaucoup mieux. Il est avec son copain Mickey. Ah, mon fils, tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. On voit rien en plus. Franchement, j'avais peur à l'arrière qu'il y ait quelque chose, mais non, non. Là, ces beaux petits cheveux longs, ces belles boucles qui cachent la petite coupure, quoi. Mais franchement, je suis trop contente parce qu'il va très, très bien. C'est Mickey, c'est ton copain? C'est ton copain? Mais il est plus grand que toi. Il est plus grand que toi. Fais-lui des bisous. Mouah. Tu lui fais un bisou? On va commencer les achats de dates. Parce que moi j'aime beaucoup ça. Et ici vous voyez, elles sont souvent farcies et garnies à plein de choses. Ici à la pistache. On est venu faire des petites courses. Parce que normalement le ramadan devrait être demain. Alors je ne me prononce pas officiellement parce que j'ai pas eu d'informations officielles. Je réactualise un petit peu Google. Mais je sais qu'en Arabie Saoudite ils ont dit que c'était demain. Donc, a priori, je pense que ça va être demain pour à peu près tout le monde. Et je pense que ça va être là, d'ici dans l'heure. Qu'on sera informé. Donc, voilà. On achète plein de bonnes choses. Demain, je me retrousse les manches. Et puis, voilà, j'espère que ça va être un bon mois pour tout le monde. D'ailleurs, je vous le re-souhaiterai demain, bien sûr. Mais je vous souhaite un très bon mois à tous. J'espère que la paix sera au sein des maisons de tout le monde. Qu'elle sera surtout dans les cœurs de tout le monde aussi. C'est le plus important. Hein, mon amour. Oh.
se dit bon ramadan tout le monde. Je vous souhaite un bon mois de ramadan. Ben voilà. Merci Kenan. Ah, j'ai retrouvé Dora l'exploratrice. Toujours. Shipper, arrête de shipper. On va manger où? Burak. Comment il fait quand il coupe les oignons? Quoi? Tu es content, hein? Est-ce qu'on va hein? Comme lui, il pleure pareil.